Salut, bienvenue. On va faire de la plomberie maintenant. Ouais. Alors là, on arrive bientôt à la fin de l'empattage. On va le petit tuyau machin. Donc je filtre parce que vous allez voir, il y en a, ils filtrent pas, ils disent ouais, on laisse au fond, ça sera avec le wire pool. Voilà quoi, si vous voulez avoir à manger dans votre bière, puis après c'est compliqué pour le. Surtout pour le l'échangeur, le refroidisseur là, ça le bouche en 2 secondes. Donc, je pré-filtre entre guillemets. On a juste à ouvrir la valve ici. Oh, regarde s'il sort déjà. En 2 secondes, ça va être pompé. Ça fait de belles images. Voilà. Ben, je m'attends qu'il y en ait un peu au fond, après je vais allumer le gaz et je vais vous donner la technique ultime pour allumer ce truc qui est pas facile. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc, je les sors un peu pour pas en foutre de partout. Ça repart là. Hein. Ouais. Là, il y en a toujours autant qui revient. Hein. Mais. Ah bah ouais, mais là t'en as. Ça va pas s'arrêter. Bon, bien sûr, je passe. Là, je vais allumer le gaz. Le gaz. Hop. Alors, la technique, il faut appuyer sur ce bouton. Je ne sais pas si tu vois, on passe par là. Il faut appuyer sur ce bouton. Il faut le tenir 15 secondes. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez, c'est une sonde de température qui vient pousser une sorte de vanne. Qui d'accord. Reste ouvert. Là, ça va le dilater. C'est une sécurité. Parce que vu que ça sort très fort, ça va chauffer là et voilà. À 100 degrés, on fait attention avec ses petits doigts. Moi je crains pas trop, donc ça va. Et on va venir les faire glisser à peu près droit pour que ça soit homogène. Donc je le mets toujours un peu plus vers le haut, vu que ça va s'accrocher, ça va redescendre. Et après on vient tremper dedans.
Après, on laisse tomber. On tient la ficelle, hein. Ouais, vous mettez dedans si vous voulez, mais c'est un peu la merde. Mais filme bien le truc, je vais le remonter, tu vois, il est plein. Ah. Tu vois, là, c'est rempli. Oui, il se remplit, ouais. Là, c'est, ça a gonflé, en fait. Et voilà, et après, on laisse se débrouiller. Enfin, je mets ma petite pince. On laisse faire la magie. Voilà, et ça va couler tout seul. Et là, tu laisses bouillir, tranquille, tu laisses se démerder pendant 50 minutes. Puis voilà.